Je ne comprends pas, ça me casse les couilles. C'est du pancake, convaincu. On va tester le dernier donjon. Il faudrait essayer de terminer ce stream là, parce que... C'est plus possible. Ça n'est plus possible. On a droppé 26 000 frames sur tout le stream. C'est juste pas possible. Faudrait que je crafte plus de potions par contre. Tester ça. Oublie pas tes upgrades aussi. J'ai déjà tout upgrade moi. Je peux plus upgrade là. Alors voyons voir ce qu'on n'avait pas le droit de montrer dans la preview. Qui est apparemment full bug. D'ailleurs. Donjon inconnu 1. C'est joli. C'est des cadavres. Oula. Nous avons dû lancer opération fermeture de porte. Un sbire a pour tâche d'utiliser 4 clés pour nous enfermer. Les clés seront ensuite cachées. Il faudra environ un mois pour semer les agents de l'œil. Après cela, ils changeront de secteur. Nos rapports indiquent que l'œil est sur notre piste. Nous allons devoir nous enfermer pour masquer notre signal. Voilà 2 mois que nous sommes enfermés. Les ressources s'amenuisent. Où est le sbire qui devait nous libérer? Dans l'attente, nous avons commencé le développement du prototype L. Ce stupide sbire erreur. Il n'y a qu'une seule échappatoire, il faut surcharger le moteur dimensionnel, s'écraser dans une autre dimension ou dans le vide. C'est toujours mieux que de mourir de faim. Erreur. Malgré tout, nous avons presque terminé la chambre du prototype L. Le chef souhaite essayer le corps au plus vite, mais nous ne savons pas s'il est encore stable. Le prototype L est terme erreur. Je les ai lus, ceux-là. La prochaine série de dimensions semble très prometteuse. Si nous y trouvons assez de ressources naturelles et synthétiques, nous pourrons débuter la construction du prototype G. Le prototype créé grâce à la technologie dimensionnelle est un succès. Chaque variante semble avoir diminué le pourcentage de rejet corporel. Ok. Quitter cette tombe est de moins en moins probable. Cela fait 3 mois maintenant. Nos soldats ont dû mater une émeute la semaine dernière. Nous devons trouver un moyen de nous enfuir. La situation est critique. Des collègues ont perdu la raison, ont été abattus par les soldats. 2 problèmes résolus avec une solution. Les émeutes et le manque de nourriture. Okay. Le dernier pirate dimensionnel. Enfin, quelqu'un vient nous aider! Ce ne sont pas des ruines, mon garçon. Nous sommes des pirates. Moi, mes hommes défunts, toi, enfermés ici pendant des siècles. Nous devons rattraper le temps perdu, reformer mon équipage, piller à nouveau de nombreux systèmes. Pour te remercier de ton aide, je vais te laisser partir, mon garçon. Va-t'en. Attends où je te bute. Il a pas l'air de vraiment vouloir me laisser partir. Hein.
dernier pirate dimensionnel. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce jeu? Petit sexoman se bat contre le dernier boss de Moonlighter. Ah, j'ai sauté dans le mauvais sens, bizarrement. C'est pas un arc en mousse quand même, hein. C'est un arc niveau 4, puis plus 4 quoi. Non mais c'est la P1, c'est sûr. Le bruit d'un ballon de plage, putain, ça fait tellement ballon de plage. Ah merde, mais c'est des espèces de chiasses qui... Ok, d'accord. Salut Silverman, ça va. Ah oui. C'est une autre histoire, déjà. Mais quel enculé. Je sais pas c'est quoi la règle de pop du bordel. J'étais censé le dodge comment ça? Ah oui d'accord, je les vois en dessous de moi les bordels. Enculé. Là je peux taper qu'une fois en fait. Par contre, je me fais bourrer pendant la cinématique, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Bon, apparemment, c'est terminé. Hein. Les Stormtroopers.
Vous ne pouvez pas nous interdire d'entrer dans les donjons. Pour qui vous prenez ? Vieil homme, ces donjons sont construits à partir de pièces d'autres dimensions, ayant pour but de faciliter la collecte de butin. Vous ne pensiez pas à votre âge que ces artefacts poussaient dans les arbres ? Vous n'êtes pas d'ici. Devez nous montrer du respect, monsieur. Et si vous dites vrai, pourquoi débarquer que maintenant ? Les donjons sont là depuis toujours. Monsieur, la situation est très compliquée. Veuillez m'excuser si mes manières ne sont pas adéquates. Nous les recherchions depuis très longtemps. Nous avons perdu leurs traces dans la dimension Geyser. Une balise a dû être réactivée nous permettant de localiser ce monde. Mais bon sang, de quoi parlez-vous ? Pirates dimensionnels. Des pirates dimensionnels ? Pirates dimensionnels. Une race de créatures composées entièrement de fluides dimensionnels. Ils purent ainsi développer rapidement la technologie nécessaire au voyage interdimensionnel. Au lieu de partager leur savoir, ils préfèrent piller les autres dimensions. Selon nos rapports, ils doivent se cacher juste derrière cette porte. Qui est ce garçon ? Ce n'est pas un pirate, si ? Bien sûr que ce n'est pas un pirate ! Will ! Il suffit de le regarder ! Will, est-ce que ça va ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Tu as affronté une méduse robotique ? Leur chef, très certainement. Tu dis qu'ils se sont entretués. Parce qu'ils étaient bloqués là-dedans. C'est presque trop beau pour être vrai. Attends ici pendant que je discute de la situation avec mon équipage. Lieutenant, dispersez la foule, nous avons besoin d'espace. Eh oui, capitaine. Sauf le vieil homme et le gamin qui sont passés par la porte. Des pirates. Manquez plus qu'eux. Des voleurs, tous autant qu'ils sont. Y'a rien à voir ici, vous avez entendu le capitaine ? Vous n'avez pas à rentrer chez vous, mais vous devriez quand même rentrer chez vous. C'est peut-être votre dernière chance de le faire. Ok, circulez. Après discussion, voici ma conclusion. Pour avoir participé au vol d'artefacts dimensionnels, les habitants de cette planète seront tous arrêtés. Du moins, c'est ce que nous devrions faire. Mais ce jeune homme nous a aidé à localiser ces pirates. Il a même été jusqu'à vaincre leur chef. Je n'inclurai donc pas le vol dans mon rapport. Pour ma part, je ne pense pas qu'il faille enquêter davantage. Nous allons fermer ces donjons quoi qu'il en soit. Leur utilisation sera à présent considérée comme illégale. Tu es entré en contact avec des cultures d'autres dimensions. Nous ne pouvons donc pas te laisser partir comme si de rien n'était. Je voulais effacer ta mémoire, mais c'est une pratique interdite. Pourquoi une utilisation douteuse sur une planète entière ? Bref, c'est pas le sujet. Tu vas devoir adhérer au TCD, le traité de commerce dimensionnel. Tu pourras alors commercer légalement avec d'autres dimensions. Ton introduction et celle de ta planète prendront un peu de temps. Pour le moment, préviens tes congénères des changements à venir. Très bien, l'opération est plutôt une réussite. Nous reviendrons avec les documents du TCD sous peu. Je n'irai pas à dire que ce fut un plaisir, mais j'ai connu pire. Oh, une dernière chose. Ne dis à personne que tu as visité les donjons. Nous serions obligés d'incarcérer tout le monde, etc. Très bien, donc bonne journée. Papy. Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. Mais il semble que tu as rendu un fier service à notre planète, Will. Toutefois, s'il n'y a une prochaine fois, je voudrais que tu m'écoutes et que tu restes à la maison. C'est trop d'émotions pour mes vieux os. Rentrons en ville et transmettons la bonne nouvelle. Ah. Très bien. Super. Ah, il y a du monde. C'est des backers, ça ? Enfin, je pense que c'est des backers. Pourquoi autant de gens qui ont backé ? Je déconne. Ouais, merci aux backers. C'est grâce à ce genre de gens qu'on a quand même des jeux. Merci à eux. Attendez, la fin, c'était peut-être pas la fin. Thanks for playing. On entend encore le bruit de l'arme. Je peux taper avec mon arme pour envoyer des flèches. Très bien, donc j'ai encore mes thunes.
J'ai perdu mes thunes investies, là, c'est une blague. J'ai du mal à croire toutes ces histoires d'autres dimensions. Oui. On peut plus aller dans les donjons du tout ou... Attendez, c'est pas possible. Attends, on va tenter un truc. Tu peux farmer les donjons. Ah, moi le jeu là il bug de ouf. Non, des nouveaux donjons, non, c'est bon. Ok, bon, mettons. Mettons, je me casse. Tu vas te faire arrêter, oh là là. En retournant dans le cinquième donjon. Je sais pas. Il me dit qu'il y a des nouveaux trucs, lui. Ouais, non, mais je pense que c'est terminé, en effet, hein. Peut-être que, ouais, en fait, peut-être que tu peux continuer à farmer. Parce que là, en fait, on regarde, j'ai 25 succès sur 57. Regardons un peu c'est quoi les succès. Perfect Golem King, Perfect Carnivorous Mutate, bon, Perfect les boss, super. Rild All Crazy Pit Nuts, Craft All Weapons, Craft All Short Swords, Craft... Craft tous les trucs, kill all bosses avec la pelle du début, complète de notebook, kill au total 10 000 ennemis, complète all achievement, buy more than 10... Ouais. Arriver au troisième étage de chaque donjon 10 fois, earn money from the banker 5 times, kill golem enemies 1000 times. Ouais, et il y a 7 succès cachés, les 7 succès cachés, je sais pas ce que c'est, mais... Je regarde un peu les succès cachés, mais bon. Ouais, en gros, c'est pas intéressant ce qu'il reste à faire, quoi. Ce qui reste à faire n'est pas très intéressant. Bon, après, peut-être des trucs cachés, mais... Après, peut-être, moi, je pense, sans déconner, je pense que... si on continue le jeu et qu'on engrange un max de thunes...